C'est quoi la lecture pour toi? La lecture, pour moi, c'est un moyen un peu de se vider la tête. Déjà, moi, au milieu des livres, je me sens protégée. C'est-à-dire, j'ai l'impression que rien ne peut m'arriver, quoi. Eh bien, en fait, on est sur le domaine familial de Paul Fauché. Et donc, son fils François a légué les archives à la communauté de communes pour qu'elle reste un endroit où Paul Fauché est venu s'installer au début de la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir continuer de travailler en zone libre. Voilà. Alors ça, c'est magnifique. Ça, c'est l'original. Oui. Il y a tellement de pépites. Tu peux ouvrir n'importe quelle boîte, tu vas toujours tomber sur des dessins sublimes. Il y a une telle nostalgie quand les gens découvrent ces dessins qu'ils ont connus enfant. C'est quand même unique pour ça, quoi. C'est tout ce que ça déclenche quand ils trouvent un dessin dont on leur avait lu l'histoire quand ils étaient petits. Le père Castor, bah, le père à l'origine, dans cette période-là, c'était quand même la personne qu'il fallait suivre, qui avait l'autorité et autres. Et puis le Castor, parce que le Castor, il est toujours en train de construire. Les gens, ils nous disent, ben, on arrive, c'est la campagne profonde, même si on est à 5 minutes de l'autoroute, il faut le dire, donc on est bien desservis. Ouais. Et quand ils voient ça, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ici, quoi? En fait, moi, je suis venue une fois avec le centre aéré, mais pour moi, la médiathèque, c'était un peu le truc des vieux, quoi. Mais c'est pas qu'une médiathèque, François Fauché disait l'appeler la maison du père Castor. Ça réunit tout l'esprit du père Castor, la nature, les archives. Il savait qu'il faisait quelque chose qui risquait fort de marquer l'histoire de toute façon. Monsieur Paul Fauché a changé la littérature infantile. Il était vraiment en avance par rapport à tout ce qui se faisait à l'époque dans les années 30-31 par là. Ça c'est grâce à František Bakule, c'était son mentor. C'était un pédagogue tchèque qui travaillait avec des enfants en situation de handicap. Pour moi, c'est un lieu d'accès à la culture. Pas un lieu culturel, parce que pour moi, dire lieu culturel, ça fait trop la différence. Il y a des lecteurs qui ne vont pas y arriver tout seuls. Forcément, qui vont venir te voir et qui vont te dire « qu'est-ce que vous me conseillez ?» Ça, j'arrive pas à savoir pourquoi le dessin, pourquoi la musique sont pas en dernière position derrière les maths et le français. Cette histoire de peut-être de compétition, d'être le meilleur et de ne pas prendre en compte l'émotion, l'importance de l'émotion qui va tellement aider dans la vie, dans la confiance en soi, dans le relationnel avec les autres. C'est une transmission, donc tu peux transmettre pas forcément des données, des informations sur la nature, mais un savoir-être. Il faut que quelqu'un les amène au livre. J'ai jamais vu un enfant dire « je m'en fous des livres ». Un enfant va toujours aimer les livres, va toujours aimer qu'on lui lise une histoire. C'est un moment privilégié, hein, la lecture d'histoire. Il faut être constamment dans la résistance parce qu'on va toujours essayer de saboter la culture parce qu'on sait trop bien que si la culture disparaît, c'est la fin de la liberté. Quand la fermeture d'une école arrive dans un village, c'est la mort du village. Mais quand la culture meurt, c'est la mort du village aussi. C'est la mort de toutes les générations qui suivent. Le fond des gens, il est toujours là pour cette recherche de la culture. Tu vas dans une rue, tu vas à quelqu'un qui te fait 2-3 trucs de jonglage et les gens ils vont t'attirer par ça. Tu te faufiles et puis tu vas gratouiller ou ce que tu as envie, comme la petite souris. Voilà. Et parce qu'il y a plein de miettes partout. Alors si tu as faim de culture, tu peux grignoter tout le temps. Il y a quelques années, je commençais à me dire, mais à quoi je sers? Je me suis posé cette question au moment des attentats de Charlie Hebdo. De mon côté, je me trouvais en Corrèze. Il y a eu les attentats, stupéfaction comme tout le monde. Et le lendemain, j'ai appris que les terroristes avaient passé 6 années de leur enfance dans la commune où je travaillais, dans une fondation. Et les jeunes de cette fondation, moi, je les accueillais. Et je me suis dit, c'est là que j'ai commencé vraiment à cogiter à quoi je sers. Et aussi, plus en hauteur, et si la médiathèque avait été là avant? Si la médiathèque avait été là avant, est-ce que ça n'aurait pas arrêté le terrorisme, ça ne l'aurait pas empêché, mais est-ce que ces enfants-là, parce qu'on parlait d'eux en disant les enfants, et du coup moi je voyais les enfants alors que tout le monde voyait des terroristes qui avaient massacré des hommes, et si la médiathèque avait pu jouer un rôle de tuteur à cette époque? Ouais, ça a vraiment été un réveil. Et j'ai toujours espéré un jour pouvoir trouver une médiathèque où on pourrait échanger, se rencontrer, discuter, boire un café, autant que lire. Et je pense qu'ici, je suis peut-être au bon endroit.